Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé en fait. À vrai dire, je la regarde presque pas. Mais les peu de fois que je l'ai regardé, enfin les peu de fois, c'est souvent quand j'éteins la console et je tombe sur une émission. En gros, ça donne ça quoi. C'est le speed dating de Fred. Donc, avec Capucine et Aurélie, on a décidé de ranger un petit peu partout, préparer une petite table dehors pour Fred, puisqu'elle va recevoir ses prétendants. Quasiment tout est prêt, il manquait plus qu'à allumer les bougies, donc je me suis mis voilà, à allumer la rangée de bougies de l'allée, de l'entrée jusqu'au fauteuil principal. Mais depuis quelques temps, j'ai découvert une émission qui fait parler d'elle et qui cartonne. Et j'avoue que d'un coup, c'est que du bonheur, quoi. C'est de la culture à l'état pur. Je revis, j'apprends plein de choses. Et devant, on est participatif, quoi. Quelque part, on participe à cette émission. Et moi, ça me fait franchement plaisir parce que du coup, mes soirées, elles ressemblent plus à ça, quoi. Ensemble, on chante à tue-tête. À question est serrée. La sardine, ça fait 5 jours que je l'ai dans la tête en boucle. Mes filles commencent à la chanter. Ma femme, qui elle est à 300 000 km de ces trucs-là, elle a sifflotté tout à l'heure, je l'ai entendu. Elle sifflotait les sardines. Mais ce qu'elles savent pas, c'est qu'il y en a d'autres des chansons comme ça. Et moi j'en ai une deuxième qui me sifflote dans ma tête. Et quand il pète, il trouve son slip. 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 Et tous ensemble, vous les jeunesse. Et quand il pète, il trouve son slip. Allez, vous les jeunesse. Et quand il pète, il trouve son slip. Les amis, petite camcom vite fait, je crois que c'est la 47, parce que j'avais rien à mettre. Je suis sur une grosse vidéo de foire aux questions, sur les questions que vous m'avez posées sur une autre vidéo, et elle me prend beaucoup de temps parce qu'elle dure plus d'une heure avec. Je vous ai fait une petite intro avec une recette que tu pourras reproduire chez toi, accompagnée de ta maman si t'as moins de 12 ans, et plein de petites interventions. Elle me demande beaucoup de travail, donc je me suis dit, je peux pas vous laisser comme ça pendant plus d'une semaine. Donc je vais vous faire une petite camcom vite fait sur le pouce. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous vous portez bien, c'est Jaya. Aujourd'hui, j'avais envie de venir sur le multijoueur de Far Cry 3 parce qu'on n'en voit jamais déjà. Personnellement, moi sur YouTube, j'en vois rarement et c'est dommage parce que moi, tu vois, j'y joue absolument pas. Non, faut dire ce qui est, Battlefield à mort, hein. Mais c'est vrai qu'on n'y va pas assez souvent et il mérite quand même deux petites vidéo de temps en temps, donc un petit match à mort sur Far Cry 3, ça sera une vidéo, je pense que ça sera la camcom la plus rapide du monde, j'ai 26 minutes de bande enregistrante, on dirait un vieux, tu sais, des années 70, la bande enregistrante, il me reste 26 minutes de vidéo quoi sur mon caméscope, mais j'aimerais bien faire une vidéo d'un quart d'heure, 16 minutes, voilà, un petit truc vite fait, comme ça le rendu n'est pas trop long, et là je devrais plutôt fermer ma gueule et commencer à jouer, on va appuyer sur match à mort, c'est parti. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, et j'espère que je t'ai pas trop manqué. En même temps, c'est bientôt les vacances, voire les vacances pour certains, et tu te prélasses tranquillement sur ton fauteuil, et tu te dis, mais Jaya, tu réactualises ma page tous les jours en te disant, mais y a pas de vidéo. Il m'a laissé, je suis un geeker abandonné. Je suis un geeker abandonné. Et il y avait longtemps, erreur 6081, c'est marrant son pseudo. Ah putain, j'ai pas mis de casque, j'arrive. Je suis 15 fois plus joli comme ça. Magnifique. Oui, pour cette petite intervention de « je vais chercher mon casque, excusez-moi ». Oh, tais-toi. Je m'en excuse. J'ai eu un gars qui m'a écrit une fois. C'est pas méchant, j'ai pas mal pris, hein, mais c'est pour lui expliquer s'il regarde une vidéo de moi. Tu devrais plus recommencer les séquences quand fais les réglages au début parce que ça perturbe ton rythme et ça ferait des vidéos de meilleure qualité. Je suis désolé, moi je suis pas TF1, j'ai pas envie de recommencer les séquences. C'est du brut de pomme. Tu regardes pas. On est chez tonton, ça se passe comme ça. YouTube à la base. C'est du, on va dire, de l'amateurisme, quoi. Voilà, chacun dans son monde, dans son univers. C'est ça qu'on aime sur YouTube. Et là, ça commence tout doucement à devenir professionnel, quoi, entre les émissions de Very Watch, les émissions de Mash. Gardons notre petit côté un peu cucul à praline. C'est ça qui est bon, hein. Bientôt, on a déjà du TF1. Si on bouffe du TF1 sur YouTube, ça va être... Voilà, donc t'aimes pas. Je me rappelle plus comment ça se passait. AK-47. Oh, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Et toujours aussi sombre, ce multi. Tu vois rien du tout. Où j'ai pas assez de luminosité, peut-être que j'aurais dû la régler, mais je vais pas faire ça maintenant parce que je vais vous saouler. Alors j'ai une sensibilité de 15 000, même pas, de 2, pardon. On y va, on va dans le vif du sujet. Donc comme je disais, je suis en pleine élaboration. Oula.
en pleine élaboration de... Il y a du monde en face, au moins. Ouais, du monde. En pleine élaboration de la forêt en question, une grosse vidéo d'une heure où on va se taper des bons trips. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. De toute façon, je mettrai les liens de chaque séquence pour ceux qui n'ont pas le temps de tout regarder. Style la recette à partir de 6 minutes, le machin à partir de 12. Voilà, comme ça, ça pourra abréger vos souffrances pour certains. Et je sais que certains vont la regarder de A à Z. Et là, je m'en vais. Je suis comme ça. Moi, j'adore cette île. Je connais une petite escapade par là-bas où il y a un petit lac bien, bien joli. On peut s'y baigner et il y a même des nudistes. Quelques petites demoiselles se promènent la brioche à l'air. Tu peux les mater du coin de l'œil en faisant style, tu les regardes pas. Hop, c'est un copain. On se calme. On se calme. Excuse-moi, mon choupinou. Mais il y a longtemps que j'ai pas joué à Far Cry. Oula. Oulala. Il est au fusil à pompe. Allez, recharge. Oh, comment c'est long à recharger. J'avais zappé tout ça. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Je vous avoue que depuis que je regarde cette émission là. Waouh! Raccrocher la vie. Ah oui, se raccrocher la vie. Depuis que je regarde cette émission, j'ai ces deux chansons qui tournent en boucle dans ma tête. C'est une horreur. Faut que j'arrête de la regarder. Ne jamais regarder touche pas mon poste avant de se coucher. C'est... Je vois que ça cartonne un peu sur Twitter et tout, s'en discute beaucoup. D'ailleurs, dédicace à Yomax38 qui a l'air de l'adorer. J'ai vu que souvent il mettait un petit message, je surkiffe cette émission. Allez, réanime-moi. Réanime-moi. Voilà. Allez. Bon, je vais vous procurer du skill et du gameplay parce qu'on est sur YouTube. On est là pour du skill et du gameplay. On n'est pas là pour autre chose. Oula. Il y a un petit peu de monde sur le multi. Je m'attendais pas à... Non, il y a personne là. Enfin, il y a du monde sur le... Oula, réanimation. Ouh, il y en a un qui est en train de faire carnage. Hop là. Comment on fait déjà? Ah! Oula, ah, dommage. Je me rappelle plus comment on réanime. Je crois qu'on fait carré. Youhou est en pleine folie meurtrière avec 5 éliminations. Ah, il a démonté toute l'équipe, Youhou. Youhou, il a tout pété. Ah, il porte bien son pseudo. Youhou. Allez. Bon, ça sert à rien. Moi, je me raccroche pas la vie. Voilà. Donc, comme je disais, on va juste se faire cette partie là de 11 minutes. Et après, je vous dirai à bientôt. Parce que c'est vrai que en préparant. Carré. Une petite picousse. Tiens, une picousse par terre et je te réanime. Moi, je suis comme ça. Lui, il est quoi, lui? Ah, lui, c'est un ennemi, en fait, qui appelle, c'est ça. Tac, j'envoie hurleur. Je les excite tous, j'avais oublié qu'on pouvait faire R3 et L3 en même temps. Où est du monde? Tiens, pousse-toi. Espion prête. Mais je vais le garder, parce que moi, je vais prendre les meilleurs killstreaks de la planète. Je suis le Warthech de Far Cry 3. Non, je suis le Lev 12 de Far Cry 3. Non, je suis le Jaya de Far Cry 3. PGM. Même pas peur. Myorissu, améliorez votre santé. Merci, mon Myorissu, je t'aime. Tu es mon ami. On va s'incurser par ici. Je suis un peu perdu. Je me rappelle plus des. Oula, ça tire. Je me rappelle plus trop des maps et les déplacements sont super. Ah, il y en a un. Non, là. Il est où? Il est là, hein. On est d'accord, j'ai vu quelqu'un là. Là, je suis en mode Call of Duty, planqué dans un angle. Ouh, voilà, ok, génial. Je vais bouger un peu ma sensibilité, parce que je trouve que mon déplacement est beaucoup trop lent. Hein, on est d'accord. Commande, tac, sensibilité du regard, on va l'avancer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Voilà, là ça bouge, là ça fait plaisir. Ok, super, j'ai servi à rien du tout. J'ai reçu un mail des éditeurs de Far Cry. Oula. Ok, il y en a là de l'autre côté. J'ai reçu un mail des éditeurs de Far Cry qui m'ont. Enfin, ils m'ont pas dit à moi. Hein. Salut Jaya, alors je t'explique, t'as un jeu qui sort bientôt. On voulait te le dire qu'à toi. Non, qui expliquait qu'il y aurait un Far Cry 3 Blood. Je crois que c'est Blood Diamond ou Blood Devil, je sais plus. Alors, est-ce que, si vous le mettez dans les commentaires, si certains sont au courant, est-ce qu'il s'agirait d'un jeu à part entière? C'est-à-dire qu'on va racheter un jeu à 70€ qui s'appellera Far Cry 3 Blood Diamond ou Blood David. Blood David, David, ma parole, mon fils. Et ou est-ce que c'est un add-on qui arrive? Donc ça sort le 1er mai, d'après ce que j'ai compris. J'ai vu la bande-annonce, vous tapez sur YouTube, vous tapez Far Cry 3 Blood. Je sais pas si c'est Diamond ou David parce que je t'ai gavé, parce que franchement, moi je retiens rien. Bullshoot, tiens. 100 points. Je suis bientôt à mon deuxième clistrique, j'ai tout pété. Et ouais, tapez sur YouTube, vous allez voir. Ça ressemble à du comic des années 80. À des comics des années 80, vous savez, les petits dessins animés de l'époque. Il y a du monde là. Ouais, il a tué tout le monde, cet enfoiré.
ou ça arrive en face. En même temps, je suis en train de parler, c'est vraiment dur de se concentrer. D'ailleurs, pour mon... je suis en train de partir dans tous les sens, j'ai que 17 minutes, il y a longtemps que je vous ai pas vu, ça me fait plaisir. Et oula. Et du coup, je sais plus, j'ai tellement de choses à dire que je me rappelle plus ce que je dois dire. Voilà, ça s'appelle le bug de ce que je dois dire. Donc, pour en revenir, d'ailleurs, en parlant de skill, voilà, c'est ça que je voulais dire. Trop bien, je m'en rappelle. Pour la foire aux questions, justement, je suis en train de me concentrer de faire des gameplays, on va dire, pas dire propres, mais des gameplays où je parle pas, où je suis avec mes potes de la team. Et du coup, vous allez assister à un truc que je upload jamais sur ma chaîne parce que j'en ai rien à foutre d'habitude. Mais là, je sais pas, j'ai envie de faire plaisir. Hein, on va dire des gameplays qui sont jamais mis sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est assez original. Je suis en mode vacances, relax, allongé sur le canapé. C'est une fast commentary un peu spéciale où vraiment je suis tranquille, je suis pépère et je mets. Je suis pas en live en fait, voilà. Moi aussi j'ai le droit d'enregistrer mes meilleures parties, de les mettre en ligne. Donc j'avais quelques vieilles parties de Black Ops 2, ce que je l'ai vendu, je l'ai plus hein, pour information. Où j'avais notamment un 34-4, je crois, voilà, où j'avais un peu cartonné. Pour moi, c'est pour moi, hein, Jaya, c'est du carton. Voilà, une belle partie en Battlefield où j'enchaîne des triple feeds, je suis à fond dedans, je gère bien mes objectifs, la moto, le machin, tatatac, je fais pas le con et tout. Il y aura 2-3 parties de Far Cry comme ça, j'ai du Homefront, quelques séquences de carnage. Tout ça sur un ton de bonne humeur et un ton à l'orange. Nous allons prendre l'escalier de la grotte. Dans cette grotte sont réunis tous les pervers de la ville. Oula. Oh, le viseur, il est chelou, il vise en l'air, quoi. Je t'ai vu. Toi, je vais te bullshoot. Bullshoot en direct pour mes amis. Hein, petite vidéo vite fait. Oula, il est là. Tiens, dégage. Niveau supérieur, 18. C'est vrai que je viens pas assez, ça change un petit peu. Il y a plein de jeux comme ça, on s'obstine. On s'obstine toujours à jouer au même jeu. Tir en pleine tête, double élimination, tac. Allez, le cri de la guerre. On s'obstine, oula. Oh, je suis en pleine folie meurtrière, les gars. Ah merde, j'étais caché derrière le rocher. Là ils m'ont fait une erreur 81. Ben voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle erreur 81. Parce que justement, c'est une erreur à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il tire, il te tue à travers les machins. Ça enregistre au fait. Ouais, ça enregistre. Ok. Erreur 81, il m'a saoulé. Bon, en tout cas, je vous ai fourni du skill. On est, regardez, Jaya, deuxième. Élimination 9. Mort 4. Un petit ratio de 2,72. Non, je sais pas de combien, mais... L'équipe a perdu. Ok, l'équipe a perdu. C'est le moment. Et tourner les serviettes. Et on fait tourner les serviettes. Ben voilà, même Far Cry, le petit truc final, ils se sont mis à faire une macarena. Non mais franchement, hein, ça bouffe le cerveau à tout le monde, votre truc. Voilà. Et eh ben on va pas aller plus loin, même si je vous jure, je meurs d'envie de continuer, mais j'ai absolument pas le temps cette semaine. Voilà, c'est histoire de faire un coucou. C'est frustrant, je vous l'avoue, parce que là j'ai envie d'enchaîner, il me reste 15 minutes, on a fait un truc de... Ouais, c'est pas beaucoup, hein, c'est rare que je fasse si court, moi. Les autres youtubeurs, comment vous faites pour faire des trucs de 12 minutes? J'ai vraiment... Là j'ai envie de continuer, c'est un truc de dingue. Allez, juste le temps de faire mes décodages. Et allez, premier. Non, ça n'a rien à voir. Comment on fait déjà? Vous moi quitter le salon. Retour. Quitter le salon. Continuer. Bon, en tout cas, là, je suis sur ma grosse vidéo d'une heure. J'espère que ce petit coucou vous fera plaisir. Petite vidéo de 10-12 minutes. C'est très rare sur ma chaîne, mais voilà. Hein, qui ne fait rien, ne fait rien. Comme dirait l'expression polonaise. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On se parle pas beaucoup en ce moment. Franchement, moi, ça me... Je trouve ça super triste, il y a un moment. On prend des distances, je trouve. Je veux dire, moi, je vieillis, j'en ai de moins en moins envie. Ou passer à autre chose, je veux dire. Bon, je vous embrasse. N'oubliez pas les sardines, c'est très important. Dédicace, touche pas mon poste. Et puis voilà, quoi. Et puis dédicace à tout le monde, en fait. Je vous dédicace tout. Le soleil, aujourd'hui, il y a du soleil. Ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas vu le soleil. Enfin, je sais pas chez vous, mais moi, ça fait 2 mois et demi qu'on est en mode fin du monde. Tu vois, c'est tout gris, il pleut, il fait froid tout le temps. On a l'impression qu'on sort d'une guerre thermonucléaire. Enfin, c'est, tu vois, un peu les gens, tout le monde tire la gueule, ils sont blancs comme des culs. Là, ça commence à reprendre un peu le smile, il y a du soleil. On a les fenêtres ouvertes, ça fait plaisir, quoi. Hein?
quand il pète, il trouve son slip, quoi. C'est surtout ça. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son slip. Et quand il pète, il trouve son...